Ok. Les musiques, les ces putains de clips musicless là. Ah oh, putain. Sur celui de Firestarter, quand tu vois Keith qui éternue. Oh putain, la première fois que j'ai vu ça, j'étais inconsolable. J'ai cru que j'allais mourir, vraiment. J'ai cru que j'allais m'étouffer, mais vraiment. Alors du coup, bougez pas, il faut juste que je change le nom du truc. Comment on appelle ça? Blood Dragon. Qu'est-ce qu'il y a comme blague? Attends. Déjà, Far Cry Blood. Oh la vache, je sais pas écrire. Oh putain, je clique pas droit, mec. Qu'est-ce qu'on met comme titre? Allez, un titre marrant, les gars. Allez, le chat. Un titre marrant pour un stream de Blood Dragon. Qu'est-ce qu'on a? Dragon. Les dragons, Skyrim. Non, c'est de la merde. Blood. Blood, y'a quoi? Blague. Ah, les règles. Non. Hémoglobine reptile. Ok, j'ai. Ok. C'est juste histoire de... Bad Dragon. C'était marrant aussi ça. Bad Blood Dragon. Bref, allez hop, gaming, c'est parti. Je refous le son. Le curseur, il fait n'importe quoi. C'est pas du tout où il est. Voilà. Let's go. Far Cry Blood Dragon. Donc vous allez voir, j'ai fait un petit peu de ménage. Putain, par contre, il faut que je remette mon clavier. Je vais jouer, je pense, un peu nul. Étant donné que j'ai ma main dans du... Comment on dit? Non, mais non, putain, je suis à fond. Attends. Quoi? Attends, je suis à fond, là? Je vais augmenter un peu votre son, déjà, à vous. Ça. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a du son, là? Non, le son, il est pas fort du tout, là. Non, c'est de la merde, le son, là. Attends. Ça ne tiendra pas, ça. Est-ce que c'est un peu mieux? Encore un peu? Au maximum, quoi. Hop. Voilà. Ok, bon écoute, le son a l'air bon. Maintenant, voilà. Mais j'avais tout libéré. Mais j'ai pas libéré. J'avais libéré le. Mais j'avais tout libéré? Non? Mais je suis fou quoi? Mais quel abruti! Mais attends, ça veut dire que j'ai pas mes. Attends. mais en plus j'ai passé du temps à tout libérer. Oh putain. Bon, et bah tant pis. Post-it à la poubelle. Bah c'est tout ce que je voulais montrer. C'est tout, je voulais montrer la carte, mais en fait, bah non, c'est de la merde. Parce que, bah apparemment ça a pas save. Donc, bah tant pis ma grosse race, hein. On verra un autre jour. En attendant, on va aller faire la mission qui est là-bas. En espérant que ce soit pas encore une mission que j'ai faite. Putain, mais j'ai save pourtant. Non, que tu m'as fait voir mercredi. Ou jeudi. Je me souviens plus. C'est pas pour ça. Non, je voulais juste montrer la map, mais non, je sais plus si j'avais un truc à montrer ou pas. Putain, je suis dévasté là. Je suis dévastaté. Non, oui, exact. Non, c'est pas pour Far Cry Blood Dragon, c'est pour Far Cry New Dawn. Je vous montrerai, ouais. Étant donné qu'on a un peu un personnage spécial dans New Dawn, j'ai un truc à vous montrer, mais ouais, c'est pour New Dawn. Bah désolé, mais aucun problème. Je sens que t'es investi, donc post-it erroné. Je sens que t'as investi et c'est ce qui compte. Par contre, je suis atterré vraiment parce qu'en plus, ouais, je suis niveau 17, j'étais niveau 25 sur le truc. Putain, mais t'es sérieux là? Attends. Est-ce que je me suis gouré de save ou une connerie comme ça là? Ça se trouve, je me suis juste gouré de save. Ça se trouve, elle est là la truc. Hein? Indy. Deux, 27, 19, 23h29. C'est peut-être ça. Attends. C'est peut-être ça. Attends. Il y a peut-être une chance. Oh. Yes. C'est bon. Fais une vraie save. Attends, je vais save maintenant. Save encore. Save pour toujours. Voilà. Save pour... Voilà. Ouh.
Ok, c'est bon, on a retrouvé, c'est bon. Donc j'ai le fusil sniper qui a un petit peu changé comme vous pouvez le voir, qui est extrêmement vénère dans le sens où il est explosif. J'ai le fusil à canoncier qui tire maintenant 4 cartouches d'un coup enflammé. l'arc qui reste le même et le Terror 4000 reste le même. Donc voilà, c'est bon. Et là, voilà, je ne suis pas fou. Voilà, j'ai tout libéré. Vous voyez que c'est bon. Tire tes balles thermonucléaires. C'est des balles même thermoplieuses, je les appelle. Et je suis niveau normalement 24. J'ai chassé tous les animaux. J'ai récupéré quasiment tous les écrans. Enfin, c'était... Voilà, j'ai passé énormément de temps pour pas grand-chose en plus. Mais c'est juste que ça me plaisait d'y jouer, même dans mon temps libre. Est-ce que ça va niveau son? Est-ce que vous entendez bien quand je tire, par exemple? Attends, j'entends des bruits bizarres chez moi. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? J'entends des petits bruits. Mais... Allô? Y a quelqu'un dans l'appartement? Non, y a personne. Bon bah écoute, je sais pas, peut-être que je deviens fou. Alors, où est-ce qu'est... Wesker. Global. Ok. C'est moi, je suis sous le canapé. Sous le canapé? Bah putain, t'es en 2D quoi. Non mais c'est pas grave, s'il y a quelqu'un qui veut me tuer, bah tant pis. Putain, non, j'arrive plus à avancer droit, mec, c'est une catastrophe. Parce qu'en gros, là, donc j'ai ma mitaine de muscu qui me tient le poignet, donc je peux plus vraiment bouger le poignet. Et j'ai un genre de truc pour éviter que mon poignet repose directement sur le bureau, tu sais, pour éviter que ça coupe la circulation. Du coup, j'ai une position extrêmement bizarre avec ma main. Je suis pas du tout habitué, ça va être une catastrophe, mais c'est pas grave. De toute façon, je suis à moitié bourrave, donc ça me fait un truc qui tourne dans le fusil. Il fait oui. Est-ce que t'as vu que le chien aussi tourne? Doc, j'approche des cordes. Il fait bouip. Ça n'a aucun sens. Ces armes n'ont aucun sens. Carlyle, Ed Sloan a fabriqué des armes biologiques tout en sachant qu'il ne devrait pas. Oh Rex, je ne sais pas quoi faire. Vous le voulez mort? Oui. Assassinat? Oui. Pas de problème. Pas de problème. Ah putain, un serpent, c'est non, ça pique. Voilà. Jacquemin, un complexe d'armes biologiques situé sur une île proche. Il y a un poste de sécurité situé sur la crête qui surplombe le détroit. Ils ont un deltaplane là-bas. Prenez-le. Yes, ok. Donc il faut qu'on nique Dr. Carlyle, qui est un docteur qui s'occupe des trucs. Et c'est un connard. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Hop. Et un petit yinche. Bip. Oh, pauvre pipou. Voilà, ta gueule. Oui, j'ai commencé à utiliser pas mal l'arc, parce que l'arc est complètement ouf pour vider des endroits ou des trucs comme ça. C'est vraiment génial. Du coup, je l'utilise beaucoup. Et d'ailleurs, je l'ai utilisé un peu dans Far Cry New Dawn aussi, l'arc. Et c'est vraiment super utile. Et de toute façon, on en parlera au stream de New Dawn pour l'instant. Pour l'instant, on s'occupe de ce qui nous intéresse. Les putains de deltaplanes. La voix de la meuf, on dirait la voix de la fille qui donne des émissions sur Alerte Rouge 2 chez les Alliés. C'est certainement ça. Hein. D'ailleurs, je voulais contacter le doubleur de Rex Power Colt. On essayait de battre les Russes. Attends. On espérait que le sang de dragon pourrait regonfler nos forces armées. Mais ensuite, on a découvert son effet sur les gens normaux. Il les a transformés en sauvages. Laissez-moi deviner, vous avez essayé de convaincre Sloan de pas l'utiliser. C'est là qu'il a demandé davantage de roquettes, comme la lance rouge. Il les a armées. Contre les communistes? Contre tout le monde, Rex. Je crois qu'il vise le monde. Et il est aidé par le docteur Carlyle. Je l'arrêterai et je mettrai fin à son opération, Doc. Personne ne menace ma planète. Personne ne menace ma planète. Donc ouais, j'avais essayé de le contacter, le mec, mais en fait c'est un putain de doubleur qui s'occupe de The Rock, qui s'occupe de je sais plus qui l'autre. Donc c'est un petit peu mort. On peut toujours essayer de le joindre, hein, mais à mon avis ça va être un peu compliqué. Le mec, il va avoir autre chose à foutre que s'occuper d'un site, enfin d'un streamer de merde. Bip dans ta gueule. Qui a l'autre qui me voit là? Ok. Et la dernière fois, on disait qu'on pouvait pas se soigner, tu sais, sans kit de soins. Et en fait, si, c'est juste qu'on avait pas la compétence. Mais maintenant, je l'ai la compétence. Et toi, tu vas exploser ta grosse mère, oh putain la vache. Quoi? Voilà. Ouais, non. Non, je veux mon zoom. Qu'est-ce qui... Bah alors? Voilà. Merci. Ce petit doigt est allé à la mort. Ce petit doigt est allé à la mort. Hop, nique ta mère.
C'est comme ça qu'on se tue au travail. Le mec il répond, il vient en stream, on va tous voir en 4D. Ah ouais, ça me plairait bien, hein. Hop, toi ta gueule. C'est bien parce qu'on peut chasser tous les animaux du monde avec cette arme. Y compris lui, là, qui cherche définitivement la merde. Tiens. Oh là là, c'est ça que je veux faire dans ma vie, en fait. Chasser les animaux avec des balles explosives. Je pense qu'il y a un marché là-dessous. On n'est pas chez Donald Renew non plus, ça c'est clair. On est bien en delà, en de ça. Attention, lui, je vais lui faire un Terror in Paradise, mon gars. Attends, je vais le faire exploser avec mon fusil de chasse, là. Oh, la tuerie, quoi. La tuerie du truc. Aïe, aïe, aïe. Ah, je brûle. Aïe, aïe, ça fait mal. Ah, voilà, c'est bon. J'aime bien les streams qu'il fait en vrai, Renew. Ah ouais, ils sont super cool. Ils sont super stylés, ces streams. Il invite des gens marrants et tout. Bon, forcément, les gens qu'il invite savent pas forcément jouer à des jeux vidéo, mais bon, au pire, c'est pas grave, nous non plus, hein, quelque part. Qu'est-ce qu'il y a ici? Loupé. Voilà. J'ai aussi libéré. J'ai aussi débloqué le truc semi-automatique pour le fusil sniper. Donc, quelques... Oh, trop stylé! La Remanta. Donc, comment on dit, la... L'anguille! Tiens, tu m'as saoulé, tiens. Dommage quand même que t'as pas une arme directement dans ton bras, genre le bras qui devient une Gatling. Oh grave, faudrait choisir un arbre de compétence, tu sais, un bras qui devient soit une Gatling, soit un lance-roquette, soit un truc pour te healer, soit un bouclier et tout, ce serait super stylé. Mais le problème c'est qu'on n'est pas des développeurs, du coup on peut pas donner forcément toutes nos meilleures idées aux gens pour qu'ils les fassent, et ils veulent pas nous écouter. Donc forcément, bah voilà, ils font des jeux de merde. Bravo, bravo Ubisoft. Lui mon gars, je vais y mettre une quéquette. Reviens. Mon gars, QMM Loss. Ça se dit QMM Loss? J'ai l'impression que ça se dit pas. Si, ça se dit? Je sais pas si ça se dit. Le serpent géant de l'Ac de l'Ombre. Oula! Et non, il nous fait une Far Cry Adwim, lui. Loupé. Envoyez un médecin que je puisse le buter aussi. Envoyez un médecin que je puisse le buter aussi. Cette puissance de feu est beaucoup trop grande. Oui. Ouais, non, mais carrément, un homme ne devrait pas avoir autant de puissance de feu sous la main. I am become death, destroyer of worlds. J'ai X-Men dans la tête depuis tout à l'heure. Depuis le petit stream de Castlevania, j'ai aussi la vodka qui attaque mon larynx de manière assez vindicative. Ok, je suis sur l'île. Je vais me faire taper. Une Far Cry Adwim. Non mais c'est vrai, lui il avait des problèmes avec le lance-roquette là, qui le niquait de manière complètement surnaturelle. Mais ils sont où? Ah. Alors le problème c'est que ça consomme extrêmement beaucoup de munitions. Donc on va... Ah, il est con? Ah non, il est en train de mourir, c'est pour ça, d'accord. Je vais changer quand même, je vais virer l'arc et on va prendre une autre arme. Quand même. Parce qu'on n'est pas là non plus pour faire quoi? Casse-toi. J'ai diffusé par inadvertance le code d'amorce de quoi? Attends. Qu'est-ce qu'on prend? Galeria, le bow. Bah non, le bow on l'a déjà. Flamer, non. Je pense qu'on va prendre le Phasertron. Qui est pas trop mal, mais le problème c'est que j'ai juste pas du tout amélioré quoi. Ou la JM9? Non, tu sais quoi, on va prendre ça. On va prendre le flingue. Que j'ai pas beaucoup amélioré non plus, mais bon, écoute, tant pis. Hein. Pourquoi t'as visé avec ton pompe? Je sais pas ce qui... Tu sais, je suis à moitié bourré, hein, Hoffman, hein, donc... Ouais, je pense qu'on va prendre le Phasertron parce que... Attends. Prends ça. Ok. Hop, attends, bouge pas. Ça me gratte l'œil. J'ai plein de problèmes. Alors, weapons, on va prendre le Phasertron, ça va être plus simple. Voilà. Enfin, une vraie arme. En plus, du coup, il était semi-automatique et ça me cassait les couilles. Mais maintenant, il est automatique grâce à mes heures et mes heures. Ok, il est pas automatique. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces heures? Je suis con ou quoi? Toi ta gueule, toi va niquer ta race. Et toi aussi. Attends, pourquoi je me fais chier? Attends, j'ai une arme exprès pour. Qu'est-ce qu'il fait?
Ouh. Attends, toi aussi, tu peux venir si tu veux, hein. Tant pis. Je pense que t'as dû juste rêver de le faire. J'ai l'impression. Je pense que je fais des rêves assez. Assez balèzes qui me convainquent. Qui me convainquent ? Ça a l'air pas correct. Si, qui me convainquent ? Oula, attends, je crois que. Oula, c'est quoi ? Oh, une autruche ! Enfin, non, c'est pas une autruche, c'est un cassowary. Et je connaissais pas l'existence des cassowary avant que ce jeu me les explique. Et apparemment, c'est des saloperies, les cassowary. Envoyez un médecin, que je puisse le buter aussi. T'as pas moyen d'acheter les améliorateurs ? Ah, bah si, peut-être, en fait, ça se trouve. Attends. Attends. Ça se trouve, je peux les acheter. Weapon. Equiped. Ah oui, bah oui, non, mais carrément. Mais oui, en fait, je les ai quasiment toutes débloquées. C'est juste que je les ai pas achetées. Full auto, déjà, d'une. Et puis, c'est tout. Donc oui, je les avais bien toutes. C'est juste que j'avais oublié. Donc, écoute. C'est bien vrai, saloperie comme espèce de sale... Le Kosovar, mais non. Le cassowary. Ouais. Yeah. C'est quoi ça, là-bas? Il y a un truc qui me voit, là-bas. Mais ça... Ouh. Non, petit pipou. Oh, il est con en plus. Le pauvre, il est mignon et con. Non, il est bien mort en plus. Est-ce que je peux... Ouf. J'adore ce fusil sniper. Ça vole pas comparé au Kosovar. Oh, les gars. C'est quoi cet humour graveleux, là? Bravo, hein. Pourquoi il avait 5 balles, le pipou? Bah, il leur donne des trucs à bouffer, mon gars. Tu verrais. Hop. Ça, je prends. Ça, il est tout c'est... mignon, tout mi-con et remi-mignon derrière. Ok. Évidemment, j'ai viré mon arme silencieuse. Bah tant pis, on va faire ça à la bourrine. Hein. Hayou ! C'est pas ça exactement ce que je voulais faire. Pas grave. Hop, nique ta mère. Use the code to open the biolab. Ok. Toi ta gueule. Ouh, le jeu m'a fait bugger et m'a fait esquiver des balles. Je pense qu'il a dû me voir me téléporter en fait. Je viens d'utiliser 8 cartouches là. Je pense que ça doit être évident pour tout le monde. Merde. Il a décidé de brûler trop tard. Toi ta gueule, voilà. Faudrait peut-être que je vire les munitions incendiaires parce que finalement ça me casse les couilles plus qu'autre chose. Attends. Je vais retourner virer les armes incendiaires parce que c'est juste relou en fait. Ça m'empêche de passer et ça me fait mal. Un peu comme dans les douches à l'armée. Hop. Voilà. Alors, weapons, galeria, et on vire le fire round, voilà. Là, on a juste un très 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 gros fusil, c'est tout ce qu'on a. Et c'est déjà bien. Parce que ça démembre déjà pas mal de trucs en même temps. Moi, dès que tu fous du démembrement, je suis content. Hein. N'importe quel jeu mériterait du démembrement. Quand vous y réfléchissez, franchement. N'importe quel jeu méritait du démembrement. Voilà. Jusqu'à l'entrée du laboratoire. Moi, j'ai un gros fusil. Ok. Allez, rebelote. On avait déjà fait une mission un peu dans le genre. Avant. Voilà, nique ta mère. Il est mort ? Il est pas mort. Là, il est mort. Les petits pipous. Putain, j'ai encore pris feu. Mais cette fois-ci, c'est parce que s'il a un lance-flamme, c'est pas à cause de mon fusil. Faut que j'arrête d'utiliser ça. Voilà. Doucement. Doucement. Il est con. Oh, il est mignon, il est con. Tiens, il tarasse. Pas Alexandra Lederman, mais si, mais Poons, imagine. Tu rates un obstacle et tu coupes en deux la gonzesse, tu sais, sur l'obstacle. Mec, ça doit être tellement drôle, quoi. Sur Animal Crossing aussi, mais non, mais partout, je vous dis, partout. Vous pouvez survivre à presque... Même dans les jeux de ping-pong, tu fais en sorte que tu puisses prendre une balle à Mach 3 qui t'arrache l'œil. Ok, let's go. Oh, merde. Ouh. Ah, j'y suis. Oh, le destructeur. L'utilisation du centre pour les roquettes lance rouge. J'ai vu le résultat de ces expériences. C'était horrible. Vous en faites pas, Doc. Je l'arrêterai. C'est Rex Colt qui vous le garantit. J'adore ces répliques, putain, elles sont toutes super. Hop, ça c'est à moi. Quoi? T'as parlé? Michel? Tu clignotes, Michel. Qu'est-ce qu'il dit? Fier d'être quoi?
Salut les gars. Vous n'avez vraiment pas de bol que j'ai ce putain de fusil canoncier, quoi, parce que c'est vraiment à votre comment on dit, à votre détriment. L'homme Kraken. Désolé, j'ai parlé au-dessus des répliques marrantes pour dire de la merde, je suis désolé. Ah, c'est complètement ma faute. J'ai aucun scrupule. Je ferai n'importe quoi, j'ai aucun scrupule. Ça, c'est moi, IRL. Y'a un autre, là? Non, bah l'homme craquant, l'homme Kraken. Ça se prononce Kroken. Ok. Impeccable. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Hop, niquez tous vos mères. J'ai lancé un cocktail Molotov, c'est dommage. Enfin, je veux dire un Molotox, pardon. Et ils les prennent pas. Attends, toi, tu vas manger, toi. Voilà, fermez bien tous vos gueules. Il est pas mort. Voilà. C'est n'importe quoi ce que je fais. Je me fais plus mal que les ennemis le font. Mais tant pis, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le résultat. Dessus pourrait peut-être constituer une distraction, à moins que ça ne se retourne contre vous. Dans tous les cas, bonne chance. Qu'est-ce qu'on fait? On peut tirer dessus là? Non, on peut pas. Oula, c'est des zombies ça? Ah oui, c'est des vrais zombies. Et la saucisse éclate. Écoute, on va niquer les zombies, hein. Il est mort sur un coup de tête. Oh là là là. Il est mort sur un coup de tête. Putain, Rex, t'as pas honte? Dégueulasse. Espèce de nazi, va. Putain, j'adore vraiment ces répliques. Si seulement on pouvait avoir juste, allez, juste deux phrases. Deux phrases. Si on pouvait avoir accès au doubleur de Rex Power Colt, au comédien qui s'en occupe, qu'est-ce que vous voudriez qu'ils disent pour la méga forge? Que quelqu'un lui tire dans la tête. Hop, toi ta gueule. Hop. Merde, recharge. Pas grave, recharge encore. Impeccable. Oula, oula. La méga forge, t'en reviendras pas. Ah, c'est pas mal ça. Un truc de remerciement en don. Non, mais un truc qu'on peut foutre partout, dans les vidéos, dans les redives, dans les... Un truc pour dire bonjour, un truc pour dire au revoir, je sais pas, tu vois. Y a moyen de faire des trucs, quoi. Ok, lui, il est mort pour de fou. On a tous un cul bordé de fion. Ah, le pauvre. On peut lui faire doubler ça, le pauvre garçon. Il va démissionner direct. Hein. Il va prendre sa retraite. Il y a des cons, ils m'ont fait dire des trucs. Plus jamais je veux parler. Il va faire vœu de silence, tu sais. Ok, là-bas. Non, c'est de la merde ce que tu fais. C'est de la merde ce que tu fais, Russiane. Russiane, voilà. Une phrase de bonjour, genre bienvenue, et une pour le couscous. Oui, mais justement, quoi? C'est ça que je vous demande. Qu'est-ce qu'il faudrait lui dire, quoi? Lui faire dire? Ah, c'est un temps à passer? Ok. Impeccable. Vœux de mangrove. Vœux de ragoût. Vœux de ragoût, ouais. Je sais pas, les trucs du futur. Non mais ça, c'est ça que je vous demande. Abruti, trop kiki. Waouh, ça c'était trop kiki. Oh le pauvre. Je veux pas de cybercommuniste ici. J'aime pas ce coin, c'est plein de connards et de cyberterroristes. Explosion. Il tasse, voilà. Ok. Punzela spawn. Pourquoi au grave? Au grave de quoi? Moi je vote comme Nikou. Ah d'accord. Ok. Ok. Oui. Pourquoi ça m'étonne, remarque? Pourquoi ça m'étonne? Trop kiki, ça attire des foules. Ok, on va tout niquer en bas. Si j'arrive à descendre un jour. Merde. Ok, on recharge. Ok. Ta gueule. Hop, ta gueule. Je prends pas mal de dégâts, mais je suis tranquille. Je sais pas si vous avez vu le nombre de... Ah, dans le cul. Je sais pas si vous avez vu le nombre de barres de vie que j'ai. Mais on est plutôt safe.
Vu que ouais, je crois que je suis niveau 25 ou un truc comme ça, enfin. Et que les Medipacks, là, les Steampacks, ils te remettent toute ta vie. Pas juste une partie, pas juste quelques barres, mais vraiment toute ta vie, quoi. Donc c'est tranquillou. Hein. C'est même, j'ai envie de dire, tu vois, j'ai envie d'extrapoler en disant c'est tranquillou, bilou. Excusez-moi de l'exagération et de l'hyperbole, mais ouais, c'est tranquillette la billette, quoi. Putain, avec cette bande-son, là. Ouh, c'est pas ça que je voulais faire. Ta gueule. Et l'autre, il est mort. Ok, non, il est là. Putain, la vache. Ok, impeccable. Vous avez vu qu'ils avaient des coques au niveau de la bite? Regarde. Mais non, évidemment, lui, il se tourne, quoi, évidemment, quoi. Je veux montrer un truc qui se tourne, quoi. Regarde. Ils ont des coques au niveau de la teubie. Leur outfit est quand même super stylé, hein. C'est ça qu'il faudrait reproduire pour un cosplay. Et balancer des trucs genre... Casse-toi, cybercommuniste. Ah, il cyber Hitler. Ok. Trouvez le Dr. Carlyle. Pas très puissant ce... Enfin, il est pas très précis ce putain de fusil d'assaut, là. Est-ce que j'ai gagné assez de thunes pour pouvoir acheter un grip ou un truc comme ça? Je crois que j'ai 1000, un peu plus de 1000. Ouais, 1200. Ok, voyons voir. T'as mis la moitié à côté. Ouais, bah écoute, il a du recul, le con, hein. Grip, ok, impeccable. Normalement, je loupe aucune balle. En soi, j'ai tout ce qu'il faut pour faire un bon et beau cosplay. Oh, stylé. Vas-y, fais-le, là. Fais un cosplay de Omega Force. Faites attention, sergent Colt. Vous libérerez mes créations, les morts filants. À moins qu'ils tirent sur les conteneurs et qu'ils dirigent vos morts filants sur l'Omega Force. Ils s'attaquent généralement à tout le monde. Bah, y'a personne? Pourquoi vous lui avez dit ça? Ah, mais ce doubleur aussi, il est super connu d'ailleurs. Attends. Je sais pas si ce que j'ai fait c'était bien. Je crois que j'ai rien fait en fait. Ok, nique ta race. Et vraiment de rejouer à Blood Dragon, ça m'a donné envie de me refaire des vieux films. J'ai regardé Robocop encore, j'ai regardé Attends. C'est quoi déjà ce doubleur? Il me rappelle quelqu'un, putain, c'est. Doubleur de qui? Ouh merde. Blade Runner, non, parce que Blade Runner, j'ai toujours eu un peu de mal avec le Blade Runner original, il est un peu long, et c'est vrai que je me suis pas encore mis à le mater. Je devrais, hein, j'avoue que je devrais, mais... Attends, il est temps de tester mon nouveau grip. Ok, c'est génial. Ça fait quoi d'avoir un code qui date de l'année dernière? Oh, faut pas dire ça à un cyborg, poteau. Starship Troopers, putain, ouais, ça pareil. Le doubleur de Dr. Moncus et le doubleur de Dr. Nefarious dans Ratchet & Clank 3. Un véritable bourreau des cœurs. Oui, voilà, c'est ça. Mais il a fait plein de doublages. Et oui, mais surtout de jeux, je crois, justement, ouais. De jeux et de dessins animés, je crois. Mais j'adore ce doubleur. Il y a vraiment un cast de ouf. Quand j'ai regardé, justement, un peu, du coup, les doubleurs pour Blood Dragon. Quand j'essayais de regarder, justement, si on pouvait demander au doubleur de Rex Power Call de nous faire un truc. Et ouais, il y a vraiment du monde qui a bossé sur des très, très, très gros trucs. C'est pas des doubleurs pour la déconne, hein, qu'ils ont mis. Hein. Je suis en train de me faire niquer par tout le monde et il pop à l'infini ou quoi? Oh putain. Ouh, grenade! Ok, attends, je vais les niquer au corps à corps parce que là, ça sert à rien ce que je fais là. C'est pitoyable. Je suis un pitoyable, putain. Et j'ai rechargé 5 balles, le problème c'est que du coup, ça va m'utiliser qu'un seul, ça va me faire qu'un seul tir quoi. Hop, ouais. Docteur Carala était le cyborg ultime. T'inquiète pas, on va voir ça. Voir ça, poteau. Alors, je crois qu'il faut surtout pas que je tape dans les vitres. Parce qu'il y a des Blood Dragon dedans et ce serait vraiment très très mauvais, quoi. Blade Runner, il fait moins de 2 heures, je crois. Ouais, mais c'est au niveau, je veux dire, il est pas... C'est sûr qu'il fait pas 2 heures, mais je veux dire surtout au niveau du rythme. Le film est assez lent. Et je pense que c'est le film que tu peux pas mater si t'es pas dans un état d'esprit particulier. Et là, l'état d'esprit, c'était surtout de mater des gros films bourrins des années 80, quoi, vraiment. 80-90 même. Surtout 90 d'ailleurs.
Oui, voilà, c'est ce qu'il y a d'art. Il y a beaucoup de dialogues et beaucoup de plans contemplatifs. Quand tu vois le mec qui arrive en vaisseau et que ça dure 1 minute 30 juste pour le montrer rentrer dans un immeuble, bon. D'accord. Mais faut un certain truc, quoi. Faut un certain mood pour pouvoir assister à ça, quoi. Mood que je n'avais pas. Voilà. Je suis un peu chaud niveau munitions. Je pense qu'il va falloir que je commence à dépenser autre chose. Hop, ta gueule. J'ai dit hop, ta gueule. Voilà. En plus, il ressemble à un mignon de moi moché méchant, mais en nul. Déjà que c'est un peu de la merde, regarde. Ok, impeccable. Là, y'a rien. Ok. Putain, mais c'est quoi ce doubleur? Merde, attends, il faut que j'aille voir. Je suis désolé, il faut que j'aille voir. Blood Dragon doubleur. Fais voir. Attends, il doit y avoir un truc. Il doit y avoir un système. Bah c'est tout. Attends, ils disent juste la voix française de Rex Power Colt, t'es gentil, mais il y a personne d'autre qui a bossé sur ce putain de truc. Fais voir. Oui, il dit vraiment un truc. Putain. Comment on peut voir? Bon, je sais pas. Je sais pas. Si, peut-être là-dedans. Spider France, Confiac, Colonel Sloan, Thierry Mercier, Eric P. Ouais, mais non, mais tu balances tout en vrac. Putain, c'est pas possible. Bon, bah tant pis. On verra ça une autre fois, tant pis. Hein, c'est pas grave. C'est pas important. Mais ouais, le doubleur qui joue Carlyle, là, il est super connu. Il me rappelle vraiment quelque chose. Hein. Il me dit vraiment quelque chose. Ok, je vais pouvoir racheter les munitions. Ça, c'est plutôt bonne nouvelle. Ça ne coûte pas si cher que ça, en plus. Yes. Les scientifiques. Par contre, je vois des marques de Blood Dragon sur le radar et j'avoue que ça me plaît qu'à moitié. C'est pas grave. Ouh, la vache. Ouh, là. Oh, la vache. Coucou. C'est la merde. C'est la magie merde. L'homme Kraken. Ouh, là. Évidemment, libérer l'homme Kraken, quoi. Ouh, ok. Bon, c'est pas trop dur de niquer les Blood Dragons quand on a le Terror Max 4000. Visez la lueur sur sa poitrine. N'oubliez pas, Rex. Il faut... C'est quoi ce petit morceau en plus, là? Attends, il faut juste faire un peu gaffe. Aïe. Attends, cybercœur. Là, je suis en train de me faire Kenny par deux Blood Dragons à la fois, quoi. Ok, je me casse. Il y en a bientôt un qui est mort. Je pense que si je lui mets une cartouche de fusil de chasse, il est mort, voilà. Il est mort? Je crois qu'il est mort. Ouais, il est mort. Oh putain! Oh, ça l'a quasiment one shot, mec! Voilà! Impeccable! T'as vu ça, mon gars? Est-ce que t'as vu cette expéditivité, quoi? Easy! Le pompe qui tuchote les bad dragons! Far Cry, Bad Dragon. Un jeu qui te pénètre dans ton esprit. Le mec, il speedrun Blood Dragon. Ouais, mais il est pété, ce fusil. En fait, ce fusil de chasse, je pense qu'il faut pas que je l'utilise autrement que pour les Blood Dragon ou les boss, parce qu'il est, il est vraiment tellement surpuissant, quoi. Ça a aucun sens, quoi. Ça aussi, niveau fluidité du stream, y a pas de problème, là, avec Blood Dragon. Il est parti avec un Grigonite. Oh putain, j'ai loupé, quel abruti. Casse-toi. Voilà. Pas de problème, ok, impec. Mais ouais, j'aime beaucoup Blood Dragon. Déjà parce que en soi, le jeu est génial. C'est un spin-off d'un des meilleurs Far Cry. Le thème, c'est un des meilleurs. L'art style, il est génial. La musique est sensationnelle. Enfin, c'est une tuerie, quoi. Mais surtout parce qu'en fait, à l'époque où il est sorti, il a vraiment lancé une grosse mode du synthwave qui a coulé sur beaucoup d'indie développeurs et dont Hotline Miami. Et donc, ça a vraiment en fait lancé toute une grosse mode
qui s'est du coup ressenti dans plein de trucs, dans les films, dans la musique, dans les BD, dans tout ce que tu veux. Et c'est vrai que c'est le précurseur de pas mal de trucs. En plus, ils sont sortis la même année, je crois, Hotline Miami et Blood Dragon, non? Ou alors pas loin? Mais oui, il y a eu tout un mouvement, si tu veux. Le mouvement Synthwave, il est en partie grâce à lui, quoi. Par contre, j'ai pas libéré Dr. Carlyle, alors pourquoi... Vous êtes là? Sacré plan, Doc. J'aurais détesté vous perdre. Je veux dire, un bon soldat comme vous. On n'a pas trouvé Dr. Carlyle? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Niveau 26, j'ai débloqué quoi? Receive less damage from animal attack and reduces chance of being knocked down by enemies. Ok, bon bah c'est cool. Par contre... Allez à ses coordonnées. Kung Fury aussi, par exemple. Ouais, bah ça, pour le coup, carrément, Kung Fury. Même si j'aime pas trop Kung Fury, c'est vrai que oui, ça a été lancé par ça, quoi. Hotline est sorti avant Bad Dragon. Ah, peut-être, oui. De combien de temps? De combien de temps il est sorti avant? Il a pas dû sortir tant que ça avant, non? Un an, peut-être, non? Maximum un an, quoi. Maximum. Est-ce que je peux récupérer un peu de thunes en fait? Il me faudrait un petit peu de thunes pour pouvoir améliorer mes flingues encore un peu. Ou du moins améliorer ce flingue, ce fusil d'assaut, parce qu'il est vraiment pas mal. Mais il me faudrait plus de munitions en fait. Putain, je suis à 1400, faudrait que j'arrive à 2000 je crois pour avoir le nouveau magazine. Comment je vais derrière là? Ah, par là, ok. 30 avril 2013 pour Blood Dragon. Et octobre 2012 pour Hotline. Ouais, c'est vrai que c'est avant, hein, mais c'est pas trop longtemps avant, tu vois. Mais ça fait partie de l'espèce de même mouvance qui est née de ça. Et c'est vraiment... Je peux passer par là? Ah oui, je peux passer par là, en fait. D'accord. Putain, 175$, c'est pas avec ça que je veux m'acheter ma putain d'amélioration, moi. Attends. Mais c'est une mode générale qu'il y avait déjà, je crois. Oui, non, mais bien sûr, elle existait déjà. D'ailleurs, elle a plus ou moins tout le temps existé, hein. Mais Even Large Mag Pouch... Bah écoute, de toute façon, je peux prendre que celui-là, donc... Voilà. J'ai combien de munitions maintenant? Je peux même pas voir le nombre de munitions que j'ai. Même pas pouvoir acheter des munitions. Ah si, un peu? Ouais. Je me suis soigné, j'ai pas fait exprès. Ça arrive, c'est pas grave. C'est bon, j'ai des saoulés en plus, donc c'est bizarre que ça arrive maintenant. Ok, est-ce qu'on est loin? Non, on est pas loin. Dac. Mais c'est vrai qu'il y avait déjà une mode, il y avait un retour au rétro qui était certain. Ah, il y a les mecs qui sont en train de se la tech des Cassowaries. Il y avait un retour au rétro qui était certain, mais Blood Dragon et Hotline Miami, vu qu'ils ont tout déchiré au box-office, ils ont vraiment consolidé, si tu veux, ce truc-là, quoi. En même temps que la Vaporwave. Après, tu me sors un jeu Vaporwave, je veux bien tester, quand même. C'est quand même un peu plus difficile de faire un jeu Vaporwave qu'un jeu Synthwave, quoi. Mais le Vaporwave, oui, c'est un peu après, non? Vaporwave, c'était un peu au même moment que... Enfin, c'est un petit peu, comment il s'appelle Il a des propriétés remarquables. Le sang de dragon est surchargé à l'intérieur, ce qui m'amène à croire que c'est le point central d'une ley line, si vous croyez aux théories de Lockyer sur l'alignement des solstices. Et il génère par conséquent beaucoup d'énergie. Faites attention, Rex. L'endroit pue... la mort. Quel genre de mort. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'était que ce vieux dialogue? Ok, ça, je veux ça. Ah. Ok, est-ce que t'as... Putain, c'est dommage qu'on l'avait pas en anglais, le jeu, là. Parce que le tester votre puissance, vous savez ce que c'est en anglais? Ça fait test your might. Et en fait, tout là, le truc, c'est pour... C'est un petit throwback à Mortal Kombat. Test your might. Taste your might. Mon dragon. Il le fait mieux que moi, mais... Allez, go. Et donc, du coup, ça va être un peu une même épreuve qu'il y avait aussi dans Far Cry 3, d'ailleurs, je crois. L'épreuve à moitié avec des... qui parviendront à survivre au labyrinthe de sang. Le labyrinthe de sang. On dirait un truc qu'on a sorti, nous, quoi. Mais mon équipement... Aucune idée. Préparez-vous. Mais on n'a pas besoin d'équipement, Rex. Allez, on y va. Oh. Test your might. Test. En fait, c'est un peu un gun game, je crois. Mortal Kombat. Tweet, 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 tweet. Yes, allez, go. Prove your might. Ok. Donc oui, il y avait, je crois, la même épreuve à la fin, enfin vers la fin
de Far Cry 3 où t'étais dans une arène et il fallait buter un max de trucs. Ah, mais j'ai mission infinie en fait. Bon, je peux y aller, je crois. Hein. Les morphilants, quoi. Les morphalous. Oh, tu es les morphalous. Et je sais pas si du coup les upgrades que j'ai apportés à mes armes restent dans ce mode là, j'espère. C'est la même map dans Far Cry 3. Oui, c'est la même map. Voilà, elle est un peu customisée avec des néons et tout, mais ouais, c'est la même map, ouais. J'adore le son en plus, la traque là qui passe, elle est vraiment beaucoup trop stylée. Aïe, 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 attends, on se calme, on se détend tout le monde. Je peux pas avoir une autre arme que cette merde par contre, parce que c'est vraiment pas utile là. Bon, tant pis. Ce qu'il faut, c'est surtout pas se laisser déborder. Hop, hop, hop. Peut-être dans le générique de fin. Ah oui, on verra peut-être dans le générique de fin, parce que je crois que de toute façon, on est sur le dernier stretch du jeu là. C'est quasiment la fin. Là. Le jeu est vraiment pas long. Il suffit juste de bourriner les gueules. Aïe aïe aïe, je brûle. Merde. Bon, tant pis. Mais attends, le son qui passe là. Attends, faut que je vérifie un truc. Attends, écoute. Ah bah si. C'est bien ce que je pensais. Power Glove a fait une chanson pour Far Cry Blood Dragon qui a été réutilisée pour les deux mecs de Plague dans A Hobo with a Shotgun. Les deux mecs en armure là qui ont des putains de casques de soudeur et tout. C'est le même thème. Merde. C'est le même thème qui a été réutilisé par Power Glove. C'est bien ce que je me disais. Ouais, non mais faut pas me niquer sur ça, moi, j'ai une oreille musicale, hein. Je suis un artiste, hein. On me niquera pas sur les choses comme ça, moi. Je reconnais tout, moi, je suis un fou. Mais tout cela n'était que le début. Proceed to the next area, donc voilà, ça va être un petit peu ça, je crois. Ils ont craqué les trucs. Ok. C'est le labyrinthe de sang, ça, ça y est. Ah, j'ai déposé mon arme. Bon, tant pis. Ah yes. Ouh, pas de chance pour eux. Est-ce qu'il va avoir les... Ah non, elle a pas les improvements. D'accord, donc en fait, ils ont les... comment on dit, les armes ont les améliorations qu'ils te donnent, en fait. C'est pas les tiennes. Donc en fait, c'est un petit peu pas nécessaire de faire ce que j'ai fait et de farmer toutes les compétences d'armes. C'est juste de la merde. Et je crois d'ailleurs que j'avais dit ça la dernière fois que j'avais fait le jeu aussi, que j'avais dit bah ça sert à rien, enfin, j'avais 9 ans et demi quand j'ai fait le jeu la dernière fois, donc j'avais dit ça sert à rien de faire ça, c'est n'importe quoi. Et je m'étais dit plus jamais je farmerai ce jeu. Et en fait si, en fait oui, c'est complètement con. Non, c'est même pas les armes de base, les armes ont des améliorations, hein, mais c'est pas les tiennes. C'est des améliorations qui sont qui donnent comme ça parce qu'ils ont gentil, quoi. Ça se trouve, dans d'autres modes de difficulté, d'ailleurs, ces améliorations-là, elles changent. Alors, comme dans Doom, d'abord, il faut s'occuper des hit scanners, donc les gars qui ont des fusils de chasse. Et ensuite, on s'occupe du corps à corps. Eux aussi, ils font chier avec leur molotov, avec leur molotox, pardon. Oh là là, c'est n'importe quoi ce que je fais. Il y a une promo sur les Maccabées ou quoi? Une promo sur les Maccabées. On dirait les répliques en fait de Last Action Hero, quoi. Donc c'est évidemment c'est fait pour, hein, mais j'adore, hein, je suis trop fan, quoi. Tu veux une omelette? Tiens, je te casse les œufs. D'ailleurs, Last Action Hero, il est sur Netflix. Si jamais vous avez pas vu Last Action Hero, déjà c'est un problème, et ensuite ben vous pouvez. C'est pas là? C'est par où? C'est par là. Il est génialissime, Last Action Hero, putain. Je me suis acheté une collector de Last Action Hero. Y'a quoi dedans? Oh! Une petite tortue! Oh!
Oh! Est-ce qu'elle fout ses petites pattes sur sa tête? Ah non, je croyais. Et ça, il y a les, je crois qu'il y a les balles explosives, mais il n'y a pas le reste. Ouais, c'est ça, il y a juste les balles explosives. Ok, là, faut en laisser passer aucun. Ah d'accord, il y a les balles explosives, mais il n'y a pas le semi-auto. Donc il va falloir faire un tout petit peu attention. Ça devrait pas trop poser problème non plus. Voilà, regarde, tranquillou ou pas? Vous avez survécu jusque là, mais vous n'arriverez jamais au bout. Allez, merci les 12 travaux d'Astérix. Pas besoin de toi, moi. Il suffit juste d'être intelligent avec ses balles, regarde, bim. Bim. Voilà, il faut essayer de pas. Il faut faire du multi-targeting. Bon, là, je peux pas. Évidemment. Voilà. On recharge vite, on recharge vite, on recharge vite. Voilà. Putain, en plus, ils sont en tas là, c'est génial. Bah alors, tu fais quoi, toi? Bip. Et bah voilà, impeccable. On a tué 8000 personnes. C'est quoi, c'est le Terror Max? Oui, c'est le Terror Max 4000. Impeccable. Amenez-vous. C'est super satisfaisant, mec. Ça me donne envie de tuer des vrais gens. Satisfaction sans limite. Ah là, c'est ça, c'est, ça s'appelle une érection, quoi. Yes. Enfin, la Kill Star. Tout ça pour un shuriken. Le pouvoir. À moi le pouvoir, ouais. Doc, j'ai l'étoile tueuse. C'est l'heure de la sieste pour Sloane. Et j'ai bien l'intention de le border sous 2 mètres de terre. Alors voilà l'étoile tueuse. Je me sens déjà tout bizarre. Inquiétude. Température corporelle élevée détectée. Bordel de merde. Je crame. Votre corps n'est pas habitué à autant d'énergie. On doit apprendre à vos systèmes nerveux et musculaires à canaliser l'étoile tueuse. Spider, c'est plutôt lui qui aurait dû s'en équiper. Si vous ne pouvez pas le faire avec lui, Rex, faites-le pour lui. Ouais, je vais remettre les pendules à l'heure. Pour Spider? Non, pour l'humanité. Yes, training montage. C'est génialissime, putain. Vous vous retenez encore. Vous en faites pas, Doc. Ça se reproduira plus. Ouh, ils vont faire des bébés dans les fesses. Regarde pas l'autruche. Par votre cyber amour. Je suis aveuglé par votre cyber amour. C'est ce qu'il faut que je vous dise en permanence. Sur tous les streams, il faut que je vous dise ça. Je suis aveuglé par votre cyber amour. Ah,
ils ont pas les casques de CyberQ, oui, comme dans Demolition Man. Oui, non, oui, non, 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 non. La doubleuse était pas à fond. Hein. Je n'aurais jamais pensé qu'un cybercommando puisse être aussi... Je sais, mes organes, mes os, mon sang sont synthétiques à 85%. Mais vous êtes toujours un homme à 100%. En tout cas, pour le plus important. Mec, je suis aveuglé par votre cyberamour en alerte de don. Ah oh, putain, c'est pas con ça. Non, pas avant la mort de Sloane, Elisabeth. Il a prévu d'envoyer ses roquettes sur chaque continent de la planète. C'est un monstre, Rex. La nouvelle charge contaminera le monde entier. Les hommes deviendront des sauvages préhistoriques. La société s'effondrera. Ce sera un nouvel âge de pierre. Oh, il y a des schtoumps. Oui, un petit peu, oui. Mais regarde pas l'autruche. Quelqu'un peut barrer les yeux de l'autruche, s'il vous plaît ? Funérailles, fous ta main devant ses yeux. Ma mère, elle faisait ça quand j'étais petit. En tuant le premier. Vous m'avez déjà sauvé, Rex. Maintenant, il est temps de sauver le monde. Elisabeth ? Oh ! Non ! Non. Un UMD. Alerte. Nouveau paramètre activé. Attendez la mise à jour des objectifs. Quoi ? Rex, c'est moi, Elisabeth. Elisabeth. Si vous entendez ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé. Rex, avant de vous rencontrer, je pensais ne jamais pouvoir aimer à nouveau. Je sais que vous ne vous considérez pas comme humain, mais vous avez quelque chose en vous de bien plus précieux que votre hardware militaire à $1 milliard. Bien plus puissante que votre cellule énergétique à hydrogène. Vous avez une âme humaine en vous, partout où vous allez. Et vous avez mon amour. Oh ! Votre bras ouvre maintenant le bunker de sécurité à l'intérieur du complexe. Allez l'arrêter. Objectif. Pénétrer dans le complexe d'Anko et entrer dans le bunker haute sécurité. Mais Rex, ne le faites pas pour moi. Faites-le pour la paix dans le monde. J'ai fait un petit screen pour, pour le truc, parce que c'est beaucoup trop stylé. Mec, je suis trop fan de ces cinématiques. You own the Killstar, a mysterious weapon fueled by your life force. It uses your health to fuel its destructive powers. Ok. Donc maintenant, on a la Killstar avec nous, qu'on peut utiliser pour chasser des gros bâtards. Petite référence à l'homme qui valait 1 milliard. 3 milliards, s'il te plaît. Je crois en vous, Rex. Maintenant, à votre tour de croire en vous. Ah, il y a ma connexion qui est deep. Je suis désolé si vous avez des petites baisses, mais ma connexion chie dans la colle. Il faut vraiment que je change de très rapidement. Oh, trop cool. Ouais, là c'est ma connexion là qui merde un petit peu ce soir. Ouais, j'ai l'impression. Je suis désolé. Recommandation. Percer la porte principale. Ça fait un bout de temps que ça me démange de botter le cul de ces trous du cul. C'est parti. Je sais pas s'il faut. Ah non, d'accord, c'est bon. Tac, tac. Directive. Tuer tout le monde. Tuer. Ok. Et de la main gauche en plus. Et de la main gauche en plus. Sur un coup de tête. Oui, pris la tête. Tadam, tadam. Putain, cette track est légendaire, mec.
Il y a plus de moi en toi qu'une simple programmation. Et nous partageons le même sang bleu, fiston. Faux, Sloane. Mon sang est rouge, blanc et bleu. My blood is red, white and blue. Le bouquet final. J'adore. C'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop stylé. Oh putain. Je désolé, je parle pas trop sur ce moment-là du jeu, mais c'est parce que j'ai vraiment envie que vous preniez l'ambiance, que vous appréciez toute l'ambiance du jeu sans avoir ma pauvre voix de merde au-dessus. Même si je suis certain que vous l'avez tous déjà fait le jeu, mais bon. Il m'a fait un doigt alors je lui en ai rendu 5. Quel connard. Ok, go. Cette track, c'est vraiment, vraiment une de mes tracks préférées de Synthwave tout court, je crois. Oh yes, go. J'ai loupé. je voulais prendre la putain de tyrolienne, mais tant pis. Écoute, j'ai pas le droit au bonheur. J'ai jamais eu le droit au bonheur. Attends, on peut pas monter sur le... Non, c'est la merde. C'est la magie merde. C'est pas grave, j'ai la killstar. J'ai le pouvoir de la killstar avec moi. Aïe 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 aïe. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée de faire un Far Cry Blood Dragon 2? Très honnêtement. Bien sûr, au premier abord, tu pourrais te dire grave. Mais est-ce que il faudrait surcharger, tu vois, l'horizon avec un deuxième Far Cry Blood Dragon? Après, moi, je me dis, tu vois, s'ils font un Far Cry Blood Dragon qui ressemble à Far Cry New Dawn, avec les mêmes espèce de côté RPG, etc., mais avec des arbres de compétences, avec des trucs de cybercommando, des trucs de ouf, tu vois, que tu pourrais faire, de la construction de véhicules, de cybervéhicules, j'en sais rien, tu vois, du hacking, ou je sais pas quoi. Je pense que ça pourrait être super bon. Le problème, c'est que bien sûr ça se fera pas, mais je pense que il y aurait possibilité que ce soit vraiment génial. On va laisser le Blood Dragon bosser un petit peu. Avec Rex Power Call qui dab. Ça me ferait kiffer de ouf, mais je sais pas trop s'ils vont pas tout foirer encore. Bah après, c'est toujours une possibilité avec Ubisoft, hein. Mais bon, il y a des moments où ils ont pas trop foiré, mais le problème, c'est qu'ils sont tellement flemmards que tout refaire un jeu comme ça, du début, en faisant des nouveaux assets et tout, à mon avis, ça va les saouler, donc ce sera pas un jeu spin-off. Ce sera vraiment un épisode standalone qui sera surmarketé et il y aura des microtransactions dedans, etc., etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a les deux arguments. Il y a l'argument pour, il y a l'argument contre, et c'est pour ça que je voulais, voilà, qu'on en parle entre nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est important la discussion. Est-ce que je peux y mettre une caisse à lui là? Ah. Ils sont vraiment super stylés, leurs costumes sont vraiment classe, je trouve. Il est cool, New Dawn, mais il est flemmard au niveau de la réal. Ah, ça c'est clair. Ah non, mais c'est un jeu de branleur, New Dawn, hein, là, c'est clair et net. Je l'aime bien, y a pas de problème. J'aime vraiment bien le jeu. Je trouve qu'il est pas trop mal ficelé, il y a des bonnes idées dedans, mais c'est extrêmement flemmard, c'est de la réutilisation à 90%, il y a rien de nouveau en fait, il y a que dalle dans le contenu qui est nouveau. À part le fait que les ennemis soient niveau 2, 3, etc., il y a vraiment que dalle. Hein. Le casque jaune, c'est une référence à Star Wars, c'est pas
les éclaireurs ou je sais pas quoi, Stormtroopers, qui ont un casque comme ça. New Dawn est quand même un peu plus dur que 5, ça fait plaisir, ça c'est clair. Ouais. J'ai pour pouvoir débloquer les parties du costume que je voulais, donc que je vous montrerai quand je ferai le stream de New Dawn, j'ai dû faire une garnison niveau 1, 2 puis 3. Et au niveau 3, vraiment mec, je me suis gratté la tête à de nombreux moments pour me demander comment est-ce que j'allais passer ça quoi. Et c'était vraiment vraiment cool. J'ai vraiment kiffé, ça m'a fait rager hein. Là vraiment y a pas de problème, je peux le dire. Ça m'a fait rager de ouf, moi je me demandais comment j'allais faire et tout. Finalement j'ai fini par cheeser le truc, mais c'était vraiment super compliqué. Et j'ai vraiment aimé quoi, ça m'a fait vraiment kiffer ouais. Je peux pas les défoncer ça, tant pis. C'est une référence au casque des ingénieurs de l'Empire dans l'Étoile Noire. Ah oui, il y avait les espèces de têtes de gland là. Il est facile, New Dawn. Bah ça dépend en fait. Si tu fais uniquement les missions niveau 1, il y a pas de problème. Mais si t'es au début du jeu et que tu fais les missions niveau 2 et 3, franchement, il y a des moments qui sont vraiment tendus. Hein. Attends, il y a de la thune. Ces raclures de démocrates. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis le dragon d'assaut blindé de combat. Votre étoile tueuse contrôle ma cage cérébrale et me donne l'instruction de n'obéir qu'à vous. Salut. Je suis équipé d'un canon Terreur 4000 à alimentation hydraulique et de plaques de blindage en titane. Je crois que je vais aller faire un petit tour avec toi. Yes! Et vos gueules, vos gueules! Démonétisation, go! C'est pour toi, Spider. Je dois vous détruire. Je vous ai tiré dessus. Et je suis capable de tirer des lasers avec mes putains de yeux. Oh le bordel! J'adore le moment où... Appréciez-vous votre promenade! T'avais pas fait une vidéo de cet extrait, Russian? Si! Il y a très longtemps, j'avais fait une vidéo avec cet extrait et j'avais foutu Push It to the Limit en musique. Et évidemment ça allait très très bien avec avec l'ambiance, tu vois ce que je veux dire. Il est génial ce moment, c'est superbe. Tombe comme des mouches. Le génocide est divertissant. Le génocide est divertissant. Bourrine-le. Yes. Ça fait une bonne alerte Twitch. J'ai tout arrêté ou quoi? Est-ce qu'il fallait toutes les arrêter? Je crois que c'était ça le délire. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça?
Bienvenue, monsieur le tueur. Sloan, la seule personne que j'ai envie de tuer, c'est vous. Le passer une bonne journée, ça vient du Robocop. Ah oui, c'est le robot bipède, là, qui dit ça, non? La pelouse à tondre le samedi et les matchs de foot le dimanche. Ça te ressemble pas, Rex. La pelouse, c'est pas pour toi. Ton truc, c'est le sang. Vous êtes dingue. Je suis un dieu, désormais. Pas juste un homme, pas juste une machine. Une combinaison parfaite des deux. Un nouveau Zeus dominant une nouvelle espèce d'homme. Tu aurais pu devenir un de mes cyberprêtres, totalement dévoué à mon service. Mais je crois que l'heure de la retraite a sonné pour vous, les types 4. Vous vous trompez, Sloan. Terriblement. Alerte, système compromis. Impossible de tuer Sloan. Je suis désolé, Rex. Quel gâchis! T'es devenu beaucoup trop tendre. Comme tous ces politiciens de Washington, tu sais qu'ils négocient la paix avec les communistes? La paix, Rex. La paix. Pourquoi je ne peux pas vous tuer? Sale raclure pathétique. Tu n'es rien d'autre qu'un tas de fils et de programmes. Il ne restait rien de Rex Power Cult quand on t'a trouvé. Juste de l'ADN, sans âme. Non. Je t'ai donné mes souvenirs, mes expériences, mon enfance. Non. Je t'ai programmé. Je t'ai fait. Je suis ton père. Peut-être que vous transformez la machine vous a sauvé la vie. Mais ça n'a jamais changé ce qui compte le plus. Votre cœur. T'en mets bien, mon frère. Vous êtes plus qu'un simple amas de fils et de lignes de code. Je crois en vous, Rex. Maintenant, à votre tour de croire en vous. Crois en moi qui crois en toi. Extinction des feux, Rex. Non. Allumage des feux. Elisabeth. Rex, vous avez tué le colonel Sloan. J'ai l'impression que tout ce pouvoir lui est monté à la tête. Et non, Rex. Ils vont venir ici et tout prendre. Vos recherches, les armes, le sang de dragon. C'est ce que vous voulez? Une armée de monstres? C'est ce que Sloan voulait, mais je suis pas lui. J'ai réactivé tous les pièges à sûreté intégrés des bunkers. Une seule pression, et tout disparaîtra dans les flammes. Vous nous avez sauvés, Rex. Cette fois, Doc, c'est plutôt vous qui m'avez sauvé. Non, Rex. Je suis sauvé mutuellement. Bravo! Bravo! Yes! Voilà, la démonétisation, elle est là par contre, là. Bon alors, c'était bien ou pas? C'est une tuerie! C'est une tuerie, ce jeu! Tout est bien! Tout est bien dedans. Hugo Desmeules, il s'appelle. Sébastien Lheureux. Vincent Nadeau. Son fils, il l'a appelé Thor. Est-ce qu'on va voir le doubleur? Faudrait qu'on voit s'il y a les doubleurs français.
Jean-Sébastien Gay. C'est l'autruche, ça. Dominique Laforge. Simon Labrèche. C'est ce qu'il fait à ta sœur. Bon, moi, ça m'a vraiment plu. Du début jusqu'à la fin, de vous le faire en stream. J'ai pas parlé beaucoup pendant les streams de Blood Dragon, parce que j'étais vraiment focus sur l'ambiance, et dès qu'il y avait une track qui passait, j'ai fermé ma gueule. J'espère que vous avez pu bien entendre au moins la musique et les cinématiques. Sébastien Lépine. Quelle épine. Mais j'espère quand même que ça vous a plu et que vous êtes bien marrés. Et c'est vraiment génial. J'avais oublié beaucoup de trucs de Far Cry Blood Dragon, j'avais oublié pas mal de cinématiques, j'avais oublié pas mal de répliques et tout. Mais elles sont vraiment toutes géniales. Elles sont vraiment toutes géniales. Certains t'auront bien cassé les roupettes pour le faire. Non, ils m'auront cassé les couilles. Ils m'auront pété les rouleaux, quoi. Et en plus, Spider, il est même pas là. Est-ce qu'il est là sur le chat? Je suis même pas sûr qu'il soit là pour mater le putain de stream. Je suis même pas sûr qu'il ait été là. Oui, Nicolas, comme toujours, Nicolas. Nicolas. Ouh, merci. Merci, mon bon Antoine. Ah, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai été ravi, quoi. Du début jusqu'à la fin. Et c'est marrant, je pensais qu'il y avait encore une zone après ça. Mais même pas. Ça se finit juste sur la grosse baston en Blood Dragon. Et tant mieux. Et Wu Yang, putain, je crois que c'était marqué Wu-Tang. Je croyais... qu'est-ce que je veux dire? Il valait mieux pas qu'il y ait encore une scène après ça. Parce que je pense que le jeu serait... comment on dit overstay its welcome. Il aurait été trop long pour son bien, tu vois. Et quand on dit, quand c'est trop, c'est trop long. Quand c'est long, c'est trop long. C'est ça qui dit dans le S117. Bonne nuit, Zouzou. De toute façon, moi aussi, je vais couper le stream après ça, les copains. Oh, petit solo, là. On devrait voir normalement les doubleurs. On devrait. Sinon, ça voudrait dire que c'est impossible de trouver une liste de doubleurs qui a bossé sur un jeu, quoi. Ça casserait les couilles. Parce que, ouais, sur Google, c'est marqué nulle part, quoi. Y a pas de liste, y a pas de... Ça dit juste qui est le doubleur de Rex Power Cold, ça dit rien du tout du reste, quoi. Donc, on va niquer nos races, quoi. Véronique Novi. Novi Gold. Oui, Eric Peter, Daniel Lafourcade, mais on sait pas qui ils ont joué, quoi. C'est ça qui est chiant. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure aussi, Hoffman, mais y a aucun nom, quoi, donc... Et en plus, ouais, le funéral dit qu'elle est faussée la liste, donc voilà, non. Geoffrey Côté, c'est parce qu'il fait des... Ouais, je voulais faire une blague, mais j'ai loupé le terme, bon, tant pis. Ça me forcera à aller me coucher de couper le stream. Et bah voilà, parce que j'aurais pas envie que demain tu te réveilles fatigué, mec, attends, je m'en voudrais. Patrick Plante, c'est marrant, ça. Oh, celle-là, elle est bien, là. Ah. Donc là, il y a les Américains. Ah, il y a que les voix additionnelles. Parce que je pense qu'ils ont tous fait beaucoup de voix différentes. Et que du coup, ils mettent juste les voix additionnelles et pas les rôles. Attends, ça c'était les Anglais, mais... Ah. Translation et adaptation. Voice talents. Bah si, ça, elle est legit en fait, la liste. Philippe Bozo, tiens, je vais faire un petit screen. Voilà. J'ai fait un petit screen pour qu'on voit si on peut les retrouver, les mecs. Bon, bref, du coup, on a passé ça. Je pense qu'on peut... Ah, d'accord. When you catch fire, scream along with your character. Return to the island and continue killing. Ok. I must break you. Ok, bon, bah voilà. Et du coup, maintenant, on a la kill star avec nous et on peut tout niquer. Mission objective, be badass all the way. Waouh, j'ai gagné 20 U points en plus. Waouh, comment c'est trop bien. Mec, je vais pouvoir acheter trop des goodies. Bah écoute, hein, c'est fini, on est bon. On peut y aller, tiens, il y a des ennemis là-bas, je vais les cramer. Parce que quand même. Ça rend vraiment le jeu complètement trivial, quoi. Bon voilà, je vais couper les gars, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si je restream cette semaine, je vais essayer de streamer demain, mais on verra comment ça se passe. En tout cas, ce week-end, je pense que ouais.
C'était sans sas. Merci Nick Nick. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis bonne nuit. À demain. Prenez soin de tout le monde. Parce que voilà. On peut faire ce qu'on veut, mais on peut pas être des enculés qu'on peut non plus tout le temps. Hein. Ça ferait mauvais genre. Je vais vous laisser avec un peu de musique. Et puis voilà, je me casse. Hein. Sur ce superbe jeu. Sur ce superbe jeu. Je suis trop bourré pour trouver des trucs. Je suis pas bourré. Non, j'avais un petit coup de chauffe. Là, c'est bon, c'est parti. J'ai des bourrés, comme on dit. Mais bref. Allez, ciao les gars.